Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 189 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Call of Duty. Alors, je vous dis pas à quel point j'ai galéré à filmer ce jeu. C'est quelque chose de dingue. J'ai dû acheter un autre logiciel qui s'appelle Bandicam parce que avec n'importe quel autre logiciel, ça ne marchait pas. Donc ça plantait, ça faisait planter le jeu. Donc voilà, on va y partir. Donc Call of Duty, vous savez ce que c'est. Ça me faisait pas plaisir de les faire parce que je suis pas tellement fan de la communauté, mais le jeu en lui-même est plutôt pas mal, surtout les premiers. Donc c'est parti. Faut savoir que c'est un jeu qui est sorti en 2003 ou 2004. Et donc je vous laisse la vidéo d'introduction. Vous allez voir, les graphismes Bon, sont pas mal. Ah écoutez-moi. ben non, il n'y a pas de vidéo Le d'introduction. Martin, Je raconte aujourd'hui sera n'importe quoi. parcours du On combattant. commence directement. Alors, avant de commencer le Donc parcours, nous voici dans lisez Call of Duty du chacun de coup. ces panneaux pour Alors, être sûr objectif qu'ils de la lisent. mission, lisez chaque panneau. Donc là, il faut que je lise chacun des Bien, panneaux. maintenant Vous remarquez complétez donc, votre comme je disais, objectif. les graphismes qui Voilà, sont c'est bon. absolument Maintenant, incroyables, la complétez cet fluidité du objectif jeu gauche. en lui-même. Alors Vous bon, continuez sur la ensuite. vidéo, ça accroche un peu vu que Bon, j'ai Martin, utilisé un autre vous êtes à logiciel, comme je l'arrière. disais. Faites marque Sauf Martin. que, Faites bien avancer. quand vous êtes en jeu, Pour prendre c'est la cible. très, très, très fluide. Pour un jeu qui est sorti, franchement, cette année-là, Sautez sur le cul. c'est Allez, magnifique. ça va Je faire ne sais pas comment ils ont mal. fait. Pour une fois, Activision, Pas mal. moi, je Bon, dirais maintenant, chapeau. allez, essayez de Donc marquer. là, on est sur un terrain d'entraînement. On fait notre entraînement qui nous apprend en fait à utiliser les différentes touches. Maintenant, Bon, bah, du coup, faites comme je vous ai dit, marche furieuse. j'ai Génial, les gars. rejoué et re-rejoué un petit paquet de fois là pour enregistrer tout ce passage. Donc je connais. Bon, j'avais oublié qu'il n'y avait pas de vidéo d'introduction. Je suis un peu perdu entre avec tous les jeux que je fais. En général, il y a toujours une vidéo là. Du coup, il n'y en a pas. Vous verrez Bien que sur Martin, Call of Duty sachez 2, il y en parfaitement. aura une. Levez la lanterne, sonnez l'alarme. Je suis là, prêt à Alors, la tour de là, pilote. c'est toujours l'entraînement. Là, Sûr, on va apprendre à sûr, utiliser les sur armes. la cible. Donc, il va falloir que je Ça touche la fait du cible feu, là, au efficace, milieu. déterminant, Hop, précis. hop, 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 et hop. Voilà. Six coups Non, normalement, d'appui c'est pour bon. 6 votre fois. cible. Il fallait faire 6 Maintenant, fois. quittez J'avais votre eu. objectif et Je croyais que entrez c'était dans la 5. cible avec plus de Oui, c'est bon. précision. Restez Voilà. immobile. Donc voilà, Essayez l'objectif de vient de faire des changer. Donc il faut que je demi-tours. suive. En bas à Effectivement, gauche, vous voyez ma petite allez-y. boussole qui m'indique où je dois Passez à aller. la Donc je sauce. change d'arme. Passez à Là, la c'est une cible un peu coupure. plus Allez éloignée. à gauche. Donc Avancez. on la fait au snipe. Hop. Et tirez debout sur la Hop. cible. J'essaie Maintenant, de viser au milieu pour une faire fois sur votre plus mieux. Plus cible, mieux. avec le viseur. Voilà. Allez, Bien. on continue. Ça, c'est de Une fois là. que Une vous sorte avez de compris, mitrailleuse. comme ça, Ah. vous tirez Non, merde, avec plus de j'ai cru que j'avais précision. pris l'arme, Si vous voilà. n'avez pas trois bras, vous Hop. pouvez Ah oui, porter votre effectivement. arme munie de C'est de votre la pistolet mitrailleuse. et de vos grenades. Non, Vous c'est faites bon, c'est quelques pas bon. pas tout en Changer visant. d'arme, toucher la cible 3 fois. Voyez, vous avancez moins vite. Hop. Deux. En combat Moi, je crois bien que rapproché, c'est bon. vous pouvez frapper votre Oui. ennemi Non. avec la crosse de votre arme. Hop. Une Hop. attaque de corps à corps. Voilà, c'est terminé. Fuyez avec la Thompson. Et pas d'idiotie, Donc, une allez. fois de votre vie. On continue, on va au Attention, centre vous êtes suivant. loin. On se fait l'entraînement assez rapidement, Sûr, puisqu'après on va aller jouer. En laissez-moi fait, la cible au moins, on fragmentée. va essayer de faire la première mission du Allez, jeu. lancez une Alors, grenade dans ce là, c'est de cul. lui lancer de grenade, donc il Faites-moi faut lancer confiance. dans les fentes. Oubliez, lancez. Voilà. Je Vous sais pas êtes si je l'ai derrière réussi le mur en celle-là. béton. Et penchez-vous à gauche Ouais. puis à droite afin de vous protéger de l'ennemi. Ouais. Ah, je l'ai raté. J'ai raté le trou. Là, ça devrait être un peu mieux. Voilà. Non. Est-ce que c'est terminé? Je sais pas. Non. Il doit m'en manquer un. Il y en a un que j'ai dû rater. Je sais pas lequel j'ai raté pourtant, parce que du coup, il me semblait l'avoir mis dedans. On va essayer. À la C'est bon. tourne suivante. Voilà. On continue. Ah, mon N'oubliez pas instructeur, il est votre là-haut. Celui arme. qui me parle, il est Si vous là-haut. blessez, Il est perché. utilisez une Alors de ces là, grosses on prend les boules. explosifs, on va les mettre Vous sur lancez le haut rocher et ici. vous survivrez. Hop, et voilà, on revient en Pendant que arrière. l'ennemi Donc il y a un attaque petit le chronomètre qui est rocher, apparu qui me dit je quand vous c'est que ça va indique le exploser temps là. qu'il vous Le petit reste chronomètre pour blanc mettre qui est vos sur fesses la sur la gauche. cible. C'est vous qui voyez, Allez. soldat. Voilà, Avancez. terminé. L'entraînement est terminé. On peut sortir. Et on a Félicitations. fini l'entraînement. Donc voilà, j'ai toujours blablabla. Donc terminé l'entraînement. Donc niveau suivant. Est-ce qu'on aura une vidéo? Je ne sais plus. Compagnie Baker, écoutez-moi. Cette fois, ça y est. Opération Overlord. Invasion de la Normandie par air et par mer. Le jour J, à l'heure H, l'infanterie de marine attaquera cinq plages. Nom de code, Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword, ici sur la côte normande. Trois de nos divisions d'infanterie sont chargées d'attaquer les plages de Utah et d'Omaha. Simultanément, deux divisions britanniques et une division canadienne attaqueront les plages de Juno et Sword. Les troupes aéroportées atterriront 6 heures avant leur H, avant les bombardements aériens et navals.
La 6e division britannique aéroportée atterrira ici. Simultanément, la 101e et la 82e atterriront dans ces zones. Ici, les plages d'Utah et d'Omaha sont séparées par l'estuaire de la Douve. La 101e a pour mission de s'emparer des ponts sur la Douve, de relier ainsi Utah et Omaha et de protéger les flancs de Utah. Cette route est la principale voie de communication qui dessert toute la péninsule du Cotentin. Les Allemands ont concentré des troupes dans cette région. Quand elles seront mobilisées pour une contre-attaque sur les plages, elles devront passer par cette route. La 101e va faire en sorte que ça n'arrive pas. La compagnie Baker, c'est-à-dire nous, a été affectée à cette chaussée surélevée. Les baliseurs, comme le soldat Martin, seront parachutés en avant du gros des troupes pour poser les balises destinées aux zones d'atterrissage. En revanche, on ignore comment ça va se passer quand on sera au sol. Il faut donc que chacun d'entre vous apprenne les objectifs de toutes les unités de la 101e et de la 82e. Il faut aussi que vous étudiez ces cartes et ces photographies jusqu'à les connaître par cœur. Nous atterrirons derrière le mur de l'Atlantique, entre plusieurs garnisons allemandes. Il ne faudra pas compter sur la relève avant au moins plusieurs heures après le rush. C'est pour ça que nous avons été entraînés. Bonne chance. Et voilà, on va atterrir donc dans la mission. Hop, on atterrit en parachute. Allez, voilà, on a notre arme. Et donc c'est parti. Mission, on va aller vers l'étoile là qu'on voit. Allez, donc pour l'instant, on avance. Oh, il y a un mec là. Il m'a pas vu du tout. Hop, par contre moi je l'ai bien vu. Allez. On va rejoindre notre pote là, parachutiste. De ce côté là. Alors, ah, il est pendu à son parachute. Regarde vraiment les besoins pour utiliser et prendre. Ouais. Coucou, tu descends pas? Bon, il est peut-être mort, je sais pas. Bon, tant pis pour lui. Moi je continue d'avancer. Oh, ça sent l'ennemi là. Hop. It's shot. Il a pas compris ce qui lui arrive. Lui non plus. Salut, coriace. C'est bon, il me semble qu'il est mort. Ouh, t'es mort. Ils étaient en train de jouer aux dames, les mecs, ils savaient pas quoi faire. Génial, t'étais vachement en train de surveiller. Alors, ça c'est le signal pour les parachutistes, voilà, ils vont pouvoir atterrir. Alors, on va peut-être les attendre. Ou foncer dans le tas, peut-être, je sais pas. On va directement aller dans les maisons sans eux. Partie sauvegardée. Voilà. Youp, normalement, il devrait y avoir des soldats pas loin qui vont apparaître. Les alarmes et tout, enfin il y a les sirènes qui vont sonner parce qu'en fait justement c'est l'invasion des gens. Voilà. On commence notre grosse opération, je détruis tout le monde, je démonte la gueule aux ennemis. Donc attention. Allez, venez. Oh, ça y est, ils sont là. Ils sont tous apparus. Coucou les ennemis. Ah, il y a des petites mitrailleuses là qui font pas du bien. On va essayer de les hop, de neutraliser au moins les grosses mitrailleuses quand même, parce que ça me fait mal quand même. Allez, crève. Putain, crève. Fight communiste. J'y conne. Allez. C'est un peu dur à viser d'aussi loin. Dommage que j'ai pas une arme qui me permette de viser beaucoup mieux qu'une petite lunette. Ouais, ça va, on avance assez vite quand même. Voilà, yop, on rentre dans la maison. Hop. Toujours des soins un petit peu partout quand même. Vous regardez par terre là, des soins on en croise toutes les 3 secondes. Donc c'est pas mal si on perd un peu de la vie, au moins on peut se soigner rapidement. Ah putain d'air. Allez, crever. Ouais. Hop. Ah, on vous chope à la chaîne. Attention, hop, dans l'escalier, il y en a un. Dans tous les recoins, me lure. Non, il n'y a personne ici. Est-ce qu'il y a personne ici? Il n'y a personne ici. Donc on redescend. Hop. Hop. Compte toujours des soins partout sur les tables. Oh. Si j'arrive à mourir quand même, je suis très fort. Franchement, oula, vas-y. Hop. Encore un soin. Voilà.
Bon, pour cette première approche, c'est pas mal. Excusez de cabale et l'objet d'une petite phrase de Winston Churchill. C'est un président des États-Unis. Hein. Je sais pas lequel c'est, en tout cas, c'en est un. Cliquez pour commencer, c'est parti. Donc, on va faire celle-ci. Hop. En mode, on continue à tout défoncer sur notre passage. Ah, ça mitraille là-bas, ça fait pas semblant. Hein. Il tire dans le ciel, je sais pas pourquoi. Putain, c'est bien de tirer dans le ciel, on va tuer les pigeons. Alors, par contre, lui, il tire pas dans le ciel et ça fait mal. L'autre dans sa fenêtre là, putain, l'enfoiré. Ça va, la vie descend pas trop. Heureusement que je me suis mis en mode bleu. Je sais pas ce que ça fait en mode ultra vétéran, truc de fou, je sais pas ce que ça doit faire. Peut-être aussi bien au bout d'une balle, deux balles, on meurt peut-être. Peut-être comme dans la vraie vie, mais bon. On va peut-être pas jouer à Armac, hein. C'est pas le but d'un Call of Duty. Allez. Ah, ils sont là-bas, mes copains mitrailleurs. Coucou! Hop! Ceci est une meilleure arme que tout à l'heure. Voilà. On va. Avant d'entrer dans la maison, bah, je vais vous laisser les 5 minutes de gameplay que je vous laisse d'habitude. Allez, ah, on se retrouve dans 5 minutes. Hein. Yeah!
fois-ci. Alors, je suis un peu déçu de la qualité du son que m'offre ce jeu. Mais bon, c'est pas bien grave. Allez, je sais pas ce que j'ai dû faire. Donc là, on est en train, pour récapituler, si vous avez remarqué, on est en train d'essayer de démonter les sortes de gros tanks là, qui tirent dans le ciel là. On essaye de détruire ces trois là. Et donc du coup, bah, les ennemis sont pas contents et ils essayent de nous en empêcher évidemment. Donc là, on va y aller en mode kamikaze parce que si on attend là, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors toi, hop, t'es mort. Toi aussi, crève. Charogne. Hop, des soins, super. Je vais poser ma charge après. Voilà, c'est parti, ça va faire boum, attention. On se cache derrière le mur parce que sinon, on va mourir. Voilà. Hop, hop. Et donc, il nous en reste encore un à démonter. Donc voilà, on a fait l'autre tout à l'heure. L'autre tout à l'heure d'ailleurs, il y avait un joli angle de vue un peu sur la gauche qui m'a permis de démonter tous les ennemis avant d'y aller. Et là, hop, on va essayer de se les soloter. Hop. Ils sont ici, ils sont tous cachés là. Un matin, ils m'attendent. Ah oui, c'est un peu facile parce que bon, cette mission, je l'ai faite 2-3 fois quand même avant de faire ce commentaire. Donc dans un sens, je le connais bien. Donc c'est facile. C'est pour ça que c'est assez rapide aussi. Et ouais. Mais c'est les malheurs de l'enregistrement. Ça a merdé incroyablement. J'ai cru que j'allais abandonner hein. Les Call of Duty. Je me suis dit je veux tous les faire, c'est-à-dire au moins une fois, c'est-à-dire faire les tests. D'ailleurs, faut que je refasse celui de Modern Warfare 3 qui n'était pas du tout dans le bon concept. Sur l'épisode numéro 27, je crois. Il ne me plaît absolument pas par rapport à ce que j'avais fait. Il était en ligne, il était bouh. Donc je vais le refaire très très rapidement. Voilà. Et je compte bien faire dans la lignée les Call of Duty, donc Modern Warfare 2, 3, World at War, le ceux que j'ai pas fait en fait. J'avais fait Black Ops 2 à sa sortie, et Black Ops 1 j'ai jamais fait, donc c'est l'occasion aussi. Donc allez, c'est parti, on détruit le dernier et on aura fini cette mission bientôt. Voilà, terminé. Objectif mis à jour. Si c'est pas beau ça, putain, il a une drôle de gueule. Voilà, on se rassemble ici. Petit speech du chef et c'est terminé. On tiendra cette position jusqu'à l'arrivée des renforts, mais ce n'est jamais qu'un petit village parmi plein d'autres. Notre boulot commence à peine. Pour ceux dans le baptême du feu, bienvenue à la fête. Et pour les vieux de la vieille, croyez-moi, vous n'avez encore rien vu. On va redéployer ces mitrailleuses allemandes et installer un périmètre de défense. Ne baissez pas la garde et faites gaffe à vos équipiers. Au boulot. Et voilà, donc on a terminé cette mission, donc on se retrouve très bientôt pour la suite des Call of Duty. Donc voilà, ce sera tout pour le premier Call of Duty sur PC. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé, ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.